pour un nouvel épisode sur Gravel, l'épisode 6. Alors, initialement, qui aurait dû avoir lieu dans le cadre de la soirée multigaming de la French Open Tubers, mais disons, on va dire que j'ai trouvé un trou voilà, dans mes occupations pour vous proposer cet épisode 6. La soirée multigaming de ce mercredi 21 mars, ça, je ferai probablement du Sébastien Loeb Rallye Evo ou du Dirt 3, voire les deux. Ça dépendra du temps que j'ai, mais du temps que ça prendra avec Minecraft. Là, honnêtement, je peux pas trop vous donner d'indications. Ouais, salut! Salut Steven! Ça Donc, je précise pour ceux qui regarderont le replay sur YouTube, vous pouvez pas voir ce qui est affiché sur mon écran, les petits messages quand il y a des viewers. Il y a que moi qui peux les voir. Hashtag, ça me semble logique. Alors, après avoir bien avancé dans le Off-Road Masters, on va faire un petit peu de course libre, à moins qu'on se farcisse Watanabe. Ouais, bah ça va bien, ouais. Merci. Je te remercie. Il y a quoi déjà comme épreuve? Épreuve 1, ok. Épreuve 2? Ah bon, on va se le faire, allez. Pour le fun. Juste s'occuper de lui. Et ensuite, je vais rouler pour le fun. Alors, avec quoi je vais lui mettre cette année? Alors, Mini Countryman, Volkswagen Beetle ou la Hyundai Veloster? Je crois que je vais choisir la Volkswagen sans hésitation. Mais là, par contre, je vais mettre une couleur qui fait peur. Hein? Y'a Sango chat? Ah, je savais pas. Bon, je spoil cette info ou je la spoil pas? Peut-être si Sangoan est réellement dans le chat, peut-être que je vais la spoiler. Cette info. Ah, mais c'est parti. Bon. Bon, pas grave, il serait déjà au courant de toute façon. Ah, il verra l'officialisation de mai. Sur Il faut un grand cœur pour être pilote, mais pour gagner sur les circuits de speedcross, il faut surtout une détermination hors du commun. James Watanabe a prouvé qu'il avait les deux l'année dernière en remportant le titre de Master. Il est aujourd'hui tenu de le défendre et nous sommes sûrs qu'il est bien décidé à y parvenir. Mais si qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme météo? Et aboutissant, restez avec nous sur possible. Gravel Channel. Ils nous ont mis la météo des Hauts-de-France en Lettonie ou quoi? Déjà que le circuit je le connais pas très bien, alors là vous imaginez sous la pluie. Oh putain.
punaise, la visibilité. Oh là, faut vraiment que je m'adapte là. Ah merde, c'est pas le bon sens. Deux fois que je me suis gouré sur ce circuit là. La deuxième fois je fais cette boulette. C'est pas à droite qu'il faut tourner, c'est à gauche. Attends, notre gauche. Elle peut mettre un petit pense bête hein. Sur ce circuit, c'est pas à droite qu'il faut aller. Au dernier virage, c'est à gauche. Besoin d'un flashback hein. Oui, oui, oui. Et en même temps, j'ai pas pris la voiture la plus facile. La première course est terminée et l'heure est venue de se projeter vers la suivante. James Watanabe lui-même n'est peut-être pas considéré comme un adversaire à la hauteur. Défendre son titre pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. Nom d'un Bashibuzuk. Il a vraiment pas aimé la pluie, lui non plus. Après, je me demande quelle voiture il a. Il me semble qu'il a une Subaru, lui. Watanabe. Je suis plus sûr. Las Vegas. Alors là, j'ai envie de jouer la précaution. Je vais prendre la... Je vais prendre la mini Countryman. Je vais pas refaire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais vraiment jouer la carte précaution. Et ensuite, je vais reprendre la Volkswagen pour aller le... Là, il me met deux pistes. Alors, pas simple. Alors, autant la troisième, rien que sur Sébastien Labraliévo. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est la seule piste où on m'a pas battu. Bon, là je prie juste que ce soit pas de nuit, ni sur ton ni sur piste humide. Bienvenue aux fans de tout terrain qui nous regardent. Si la première course vous a rivé à l'écran, la deuxième va littéralement vous couper le souffle. Nous nous rapprochons du titre de Speed Cross Master et la bataille est plus féroce que jamais. Mettez-vous à l'aise et ne vous laissez pas distraire. Nous sommes sur le point de vous offrir un spectacle sans commune mesure.
Quoique la visibilité là ça va. Ah là c'est moi qui ai merdé, dis-moi. Ouais, à la prochaine, Steven. Je passe le bonjour aux autres RFT de ma part. Ça va, hein? Ah, je m'en sors pas si mal quand même. S'il est une chose que j'ai apprise d'Offroad Masters, c'est que croire qu'on a gagné avant la ligne d'arrivée est une erreur à ne pas commettre. La deuxième course est terminée, mais il reste la finale et tout est encore possible. Sur l'épreuve précédente, que je me dis que celle-ci allait être fastoche. Possible. Possible, possible, possible. Tout est possible. Tout est possible. Absolument tout. Alors, la dernière épreuve à San Luis, en Argentine. Piste de rallye cross qui a accueilli la première épreuve du championnat du monde de rallye cross en Argentine. Et qui se... Alors ce circuit est également dans Sébastien Loeb Rallye Evo, des mêmes développeurs. Alors dommage qu'ils aient pas mis Rosario. Celle-là, ça aurait été pas mal. De pouvoir faire Rosario aussi. Ouais, et après ça, après ce petit quart d'heure, on va dire parenthèse Rallye Master, mais juste vraiment, on va dire pour s'échauffer. Après, je vais vraiment faire de la course pure déconne. C'est juste là, voilà, comme ça. Après, je débloque tout pour l'épisode suivant, comme ça c'est James Watanabe ne dira pas le contraire. Parmi les favoris, il a déjà infligé deux défaites à un incroyable challenger.
James reste le champion en titre, et s'il remporte sa troisième course, le titre restera entre les mains de l'écurie Watanabe. Amis et fans qui nous regardez, faites-le plein de pop-corn, la finale va bientôt commencer. Bon, bon, là, je m'en fous, hein. De toute façon, je la connais tellement bien la puce que je vais lui mettre sa tarée. Là, avec ça, elle est pas prêt de me revoir. Là, je le dis tout de suite. J'ai même pas besoin de mini barbin, je connais tellement bien la piste. Parfaitement bien. Évidemment, ils ont rajouté à leur sauce des murs de pneus partout. Ah, j'ai perdu l'arrière complet. Après, pour remplacer la carrière du pilote automobile qui tirait plus de trop de, on va dire, d'attention, plus trop de bons résultats, on va dire. Au sein de la French Open Tubers, j'ai décidé de la remplacer par un autre concept de carrière. Donc, tout simplement, voilà, une carrière au style rallycross. Passage, je vous annonce que la carrière Project Cars 2, je l'ai, même si je l'ai plus continué, bah je contre son adversaire et ça, même sera contre plus, toute voilà, attente. La carrière Project Cars 2 type basique, il sera plus également. Fans qui nous regardaient, place au nouveau. J'ai jamais eu trop le temps de la faire. La retransmission en direct de cette finale s'achève ici. Enfin, merci de nous avoir suivis. La commencer c'est une chose, mais la continuer c'est autre chose. Oh putain, là je prends vraiment prendre l'apéro, hein. Ouais, j'avais le temps de prendre un filet, hein. Je savais que je me mettrais à taille sur le circuit. Ouais, j'avais bien qu'il avait bien une Subaru. Ouais, j'avais pas menti. Il a bien une Subaru, ce mec. Oh punaise. Oh punaise. Oh punaise. Oh là 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 là. Oh, j'en débloque des trucs là. Oh là là. Oh là là. Oh là 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 là. Oh punaise bordée. Oh là 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 là. Oh putain. Et là, j'en ai débloqué des trucs. Là, j'ai fait le pactole. Ah. Puis comme ça, si j'ai des nouvelles voitures, je vais en profiter de les tester. Ça va être good. Alors voilà, on a Round the Pacific, Around Atlantic, European Speed et ensuite Cross Country Master, putain. Je regarde juste les épreuves, alors qu'est-ce qu'on a là? Alors on a Course Checkpoint en B Extreme, Course Checkpoint en Cross Country A, Course par Tour en Trophy Truck et du championnat en Extreme C.
Alors, course par tour, élimination. Ok. Ça. La route. Alors, ensuite, alors, course par tour en cross-country B. Alors, couche épaule cross-country A. Speed cross. Oh putain, élimination. Encore San Luis. Hein? Montalegre. Ah, tiens, bah d'ailleurs, je vous ai. D'ailleurs, les premières vues. Les dernières vidéos. En date sur Dirt 4, c'est sur ce circuit-là. Alors ouais, Montalegre, alors ça c'est du smash-up. Et ensuite, que du Namibie en B extrême. Alors contre la montre, course checkpoint, course checkpoint. Ok. Ah, European Speed, on a l'Oeac, élimination, smash-up. Ah, Estering. Ah, une autre piste de rallycross en Allemagne. Il y en a une deuxième à Hockenheim, mais celle-là, il sera pas. Et ensuite, carrément, Riga, course par tour, course par tour, course par tour. C'est du course par tour, quoi, à chaque fois. En speed cross, avec Riga, au Franciacorta et Montalegre. Et c'est que du speed cross, voilà, j'ai envie de dire, là, on va gagner un temps fou. Là, je sens que l'on va gagner un temps fou dans ce truc. Alors, course libre, alors, qu'est-ce qu'on allons faire? Alors, les petits... Alors, celui-là, on l'a pas fait pour l'instant. 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 Alors, ah bah y'a que celui-là qu'on n'a pas fait. On va peut-être le faire. Le prochain épisode. Alors. Ah, on n'a pas fait. Oula. Oh. Alors à mon avis, on l'aura peut-être, mais pas dans ces niveaux-là, dans un autre. Ouais. Ah, celui-là on l'a pas fait. Ah d'accord, dans l'Offroad Master celui-là. D'ailleurs, on va regarder l'autre, tiens. Offroad Master aussi. Offroad Master, Offroad Master, Offroad Master. Ah, il nous en manque un seul. Peut-être on aura peut-être celui-là. Ah oui, là c'est le A, quand je suis con. Ah ouais, tiens, je savais pas qu'on avait cette voiture-là. Ah, comme ça, je vous montrerai toutes les voitures qu'on a dispo. C'est là qu'on a jamais pu tester. Hein. Putain. Est-ce qu'on en a de la bagnole, bordel? Ah, Porsche Cayenne. Ah, voilà, je savais qu'on l'avait. Delta S4. 037 Rally, Lancia, Volkswagen Touareg. Oh putain, ouais! Polo RX, ça j'avais vu en plus. AWRX STI de 2014, cette fois-ci. Alors, prochain niveau, on a celle-ci. Ensuite, on aura celle-là. Un petit peu plus loin, celle-ci. Un petit peu plus loin, celle-là. Un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin encore. Cross Country Master, bah tiens, on le battra avec ça. Ouh, Special Final League. Oh putain. Porsche Rally Pack. Ça, en DLC, ça aussi. Ah, Freecar, ouais, ça, c'est un autre DLC encore. Alors, l'OEA, ça c'est bon. Franciacorta, Riga. Las Vegas, Hell, Grand Prix de Trois-Rivières, San Luis. Alors, ensuite, il nous manque celui-là. Eh ben, il nous manque que deux lieux. Enfin, entre guillemets, à débloquer. Sinon, après, c'est des pistes par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce que nous allons nous faire? Ah, j'ai une idée. On va
Peut-être se faire un petit petite course en Stadium Truck. Alors, je prends soit Florida Stadium, soit Memorial Stadium. Alors, je prends le Florida Stadium. Alors, j'ai quel circuit? Alors, j'ai l'ovale, j'ai la spirale, j'ai l'agence où j'ai le croisement. Alors, ça. Alors, on va rouler en quoi? Ah, c'est mieux. C'est mieux comme ça. Je peux choisir. De nouveau livret. Là non plus. Alors, attendez, Polo. Y a quoi comme livret? Alors, 43, 86, 96. Ah, Spike Final League. Okay. Putain, j'ai cru reconnaître la livrée de Tanner Faust. J'étais pas sûr. Bon, là, on les a quasiment toutes. Trophy Truck. Alors, est-ce qu'on a une livrée supplémentaire par ici? Non. 57. Alors, là non plus, niveau 40. Cross Country Master. De toute façon, j'ai envie de dire, il nous en reste qu'un seul à battre, alors ça ira. Ah. Où tu vas prendre mon Ford? La option de la course, on va voir. Alors, jour, crépuscule, nuit, aube, mettre nuit. Alors, très facile, alors nombre de tours. On met combien? Ah, jusqu'à 6. Ok, 6. Alors, et de freinage. Tac, ouais. Moi juste les options de course, je les mets comme ça, après je les remettrai de base. Allez, on est parti. Alors, là, Burnout Paradise Remastered, la première vidéo est disponible sur YouTube. Alors pourquoi elle a été disponible sur YouTube le jour même où je l'ai enregistré alors que je l'avais dit pour X raisons que ça devrait être pour le mardi, ben. J'ai envie de dire, depuis la panne qu'il y a eu sur Mixer, eh ben j'ai qu'on voit sur Chers fans PC de tout terrain qui nous directement regardez, sur Mixer, j'espère que la eh ben je chaleur trouve de que ça Floride fonctionne ne vous mieux. fait pas Oui, ça revient à souffrir la car la normale. course du jour s'annonce Complètement. Et torride. donc du coup, ce qui Le fait que stade est rempli et nos je peux pilotes ont hâte de maintenant mettre la récupérer gomme. Offroad les Masters vidéos est que j'ai plus que jamais enregistrées de retour sur votre écran. exclusivement sur Ne zappez Mixer pas, le jour même. vous ne serez pas déçus. Bon, sauf que là, je vous raconte pas quand même. Ouais, le traitement, alors déjà. Alors, pour l'upload, je m'attendais à la durée, mais putain. Excusez-moi le mot, mais. Ouais, là, c'était. Là, c'était grave, quoi. Là, le temps de traitement. Hallucine. Et on est parti en course de Stadium Truck. Oh putain. Oh, oh les gens crashent. Les gens crashent. Oh là là. Attendez, attendez, attendez que je vous montre. Que je vous montre le bordel. Regardez. Regardez bien. Au ralenti. Il y en a un qui va se manger le mur comme ça. Regardez. Comme un con. Comme un con. Regardez, mais vraiment comme un con. La boum! Voilà, là, ça a été le gros bordel. Et ensuite, bon, vous avez vu la suite, j'escalade. Voilà, sauf que là, cette fois-ci, j'ai réussi à passer. Hein.
Allez, Olivera est en tête. Olivera est en première position. Oh putain. Nick a failli m'emporter. Il a failli se retrouver tout comme Nick. Est-ce qu'il adore le public, hein, bordel? Alors donc pas d'épisode de la Notchville pour cette semaine. Alors par contre, pendant ma semaine de vacances, je risque peut-être d'en mettre un, ou alors ça attendra mon retour de vacances. Par contre, oui, pendant mes vacances, je pense que je pourrais vous mettre des vidéos sur Android. Faut savoir en fonction. Notchville, oui, je pense qu'il y a, je pense que si j'ai le temps d'enregistrer un épisode, même de, mais j'ai envie de dire de 20 minutes, hein, je pourrais, alors, comment vous programmer pour la semaine où je suis pas là. J'ai envie de dire un décalage par rapport à ce que j'ai fait. Moi j'ai déjà le making of de Golden Adventure 2 UFO 2.0 à terminer. La semaine prochaine, toujours et seulement ici sur Gravel Channel. Et ensuite il y aura un nouvel épisode de notre ville. Alors, évidemment, en fonction de quand je l'aurai planifié, la publication. C'est après, j'ai du Rocket League de réserve. Voilà, avec soirée boutique gaming. Pourquoi qu'encore pour la soirée boutique gaming, il y a des trucs que je peux mettre le mercredi, enfin le jour même, ou alors le lendemain, voire même le vendredi à la limite. Mais par contre, voilà. On marque quand même des points là. On gagne quand même d'expérience, je croyais que non. Au final, c'est comme dans Forza en fait. On va retourner en course libre. Eh mais. Putain. Là, je pensais à une chanson, mais non. C'est pas la peine. On va aller chez nos amis québécois. Alors j'ai bien envie d'aller c'est à extrême ça.
Ouais. Peut-être la tester sur une autre piste. Merde! Pardon, j'ai merdé. Alors. J'ai une autre livrée Porsche. Ah oui, j'en ai une autre. Peu sobre là. Lancer Stratos, Lancer 037 Rally. Ah, je le trouve original quand même celle-là. Je vous l'accorde. Ah punaise, j'ai encore vu une boulette. La même boulette, hein. Hashtag ça me semble logique, c'est la. Grosse fatigue. Oula, c'est extrême la journée de la bagnole. On va rester en c'est extrême. Comme ça, je vais regarder si j'ai des. Nouvelles peintures. De toute façon, nouvelle peinture ou pas, je m'en fous, j'utiliserai la même. À niveau 28, je suis proche. Je suis à un niveau et demi. Voilà, par contre, je suis pas prêt d'aller chercher pour l'instant. Fort d'escorte. Ah, niveau 52. Ça me fait un peu chier. À quoi qu'elles sont toutes moches, hein? Il n'y a que celle-là qui me plaît bien. Ford Focus RS. Là, Ford Focus RS, je m'emmerde pas. Ah, quand même, elles sont toutes bien. Hein. De bien envie d'avancer dans le jeu, histoire de me les dégoter. Ah ben, là, nous en manque deux. Nous reste celle-là et celle-là. Mais au tout prochain niveau. Ouais. Je vais prendre l'escorte. La Scotter Cosworth. Option de course. Bah, voici mes sauvegardes pour les options de course. Bah, tant mieux. Alors, jour. Très facile. On va mettre ça sur 6 tours. Pareil. Hop. Voilà. Bon, là, on va rester sur circuit. Là, après, on ira un petit peu vagabonder en spécial type WRC. Ou long parcours, à la limite. Je vais mettre le boulot allumé, tiens. Voilà. En matière de course et d'adrénaline, à Gravel Channel, nous savons de quoi nous parlons. Bienvenue au Canada, au circuit des Trois-Rivières, où dans quelques minutes va commencer une nouvelle édition spectaculaire de votre programme favori. Je veux de la course, hein. Pour l'instant je veux pas faire d'élimination contre un monde ou je ne sais quoi. Et c'est parti! Là, je vais bien fermer la porte. Oh, ça c'est du crash. Ouais, mais j'ai déjà foutu je ne sais quelle voiture en l'air. Je vais pas aller foutre en l'air de la voiture de Colin McRae, hein. Thank you.
La bombasse, comme je l'ai surnommé sur Need for Speed. La chaîne équipe ça. Ils sont trempés de manches hein, c'est pas les demi-finales du championnat du monde de rallycross, c'est une course d'exhibition, c'est con. Hashtag ça me semble logique, c'est encore un fail. Et le fail c'est la spécialité maison de la Friendship Universe. Oh là là que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Oh c'est magnifique. En tout cas, Lucifer met un stop car, il peut être fier, il y a un crash qui aura été provoqué. Alors pour ceux qui sont arrivés à regarder la vidéo jusqu'ici, vous me direz si vous préférez que ce soit sur cette vue là ou alors la vue que j'utilise d'habitude. Voilà celle là ou alors celle où j'ai... Ou alors celle où il y avait le tableau de bord. Une nouvelle édition d'Off Road Masters voilà. S'achève, mais ne désespérez pas, nous serons de retour ici ou alors sur Gravel Channel pour vous offrir les plus grands spectacles. Carrière. Ah, putain, là les mecs, on a pris l'apéro quoi. Ah 124.
Rallye 2016, débloqué. Et une nouvelle livrée en plus. Boum. Alors ça, c'était bon. Allez. J'ai bien envie d'aller en Namibie. On a ça, on a ça. On a ce parcours là aussi. De toute façon, c'est que du rail alors. Ouais, de toute façon, on a Namibie, il nous manque des trucs, hein. Prendre celui-là, allez, on va prendre celui-là par défaut. Maintenant, quoi que celui-là, il est plus court, on va prendre celui-là. On est en C extrême. Ouais. Ouais, on va peut-être aller en B extrême là. Tiens, je vais essayer haut parce que j'ai pas utilisé souvent. Puis on verra bien. Non, par contre oui, si je vous propose la vue intérieure, c'est que sur les pistes entre guillemets sur circuit quoi, si c'est on va dire étape de enfin, voilà, si c'est style circuit de course là par là là je, là ok je, là là je vous laisse le choix. Par contre si c'est étape de rallye là par contre je me mettrai d'office la vue que j'utilise d'habitude. Il y a ceux qui viennent apprécier la paix et la tranquillité des vacances, mais une chose est sûre, pas nous. Fans de tout terrain, bienvenue en Namibie. C'est ici, dans l'un des endroits les plus sauvages de la planète, que Gravel Channel a élu résidence pour l'offre. Et c'est parti. Ah, c'est comme le crépuscule mais en inverse, c'est-à-dire c'est le soleil qui se lève. Ouh! Mais attends, il y en a un qui nous a fait un beau tonneau là. Épreuve qui m'a cassé les pieds. Ah, je savais qu'il me disait quelque chose de parcours là. Ah non, quoi que c'est pas le même là. Au début ça me disait quelque chose mais là non, 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 c'est pas le même. Moi je me suis mal gouré. Ah!
Oh, merde! Profitons de la course ensemble et ne soyez pas trop tristes. Offre au Master de retour la semaine prochaine. Quand même 5 premiers toujours et seulement ici. 4 premiers dans la même seconde. Enfin non, les 3 premiers dans la même seconde. Les 5 pro. Ah quand même, les 6 premiers en moins de 5 secondes. Ah quand même, hein. Pas mal. Ils se sont pas trop mal débrouillés. Toi ta. Voilà. Là. L'ovale. Ah, celui-là, c'est sur le circuit, ouais. Ouais, mais quoi que celui-là, ça fait très, très, très typique rallye. Ouais. Là, j'étais en trophy truck. J'avais fait. Extrême. Alors j'ai fait extrême B, extrême C, d'extrême. Non, je l'ai pas fait encore. Ah oui, cross country B. Du cross country A aussi. Ah, et puis là voilà, c'est toute la liste. Alors trophy que j'ai fait. Alors A extrême j'ai pas fait. B extrême je viens de le faire. C extrême je l'avais fait. D extrême non je l'ai pas fait. Du speedcross, vous venez d'en avoir de toute façon. Alors du cross contre, alors j'ai du A ou j'ai du B. J'ai envie de tester le Porsche. Et on va rouler en Porsche, alors par contre. Pas plus bug de d'accord. On joue là, par contre. Dans ses courses. Alors après, ouais, peut-être. À mon avis, le speedcross, je vais pas vous en faire ce que j'en ai déjà fait. Sauf si j'ai juste que j'ai le temps de tester, on va dire, la polo. Sinon, je vous ferai pas. Si en regardant ces plages, une sensation de détente inonde immédiatement votre esprit, pas sûr que vous soyez au bon endroit. Nous voici en Polynésie pour la dernière course Off-Road Masters. Ah, c'est en et croyez-moi, Polynésie, lorsque Gravel Channel s'installe quelque part, pas que c'est ça en ne passe Polynésie. Pas inaperçu. On est à Tahiti, ça se trouve. Je croyais qu'on était quelque part en Australie, je ne sais trop quoi. Oh, je peux pas tout finir. Ah là, tiens, deux voitures de la même couleur. De dernière place.
Saloperie d'arbre. Ah punaise! Faut toujours que je m'en mange, hein. Ah là, j'ai pas pu éviter. Et donc pour répondre à la question d'un de nos abonnés les plus récents qui a regardé nos vidéos sur Dirt 4, dans ce qui est rare en plus ces derniers temps, un nouveau viewer ou abonné qui regarde des vidéos de jeux de course, alors que ces derniers temps c'est soit les vidéos geek de l'envol. Ou alors du Minecraft. Donc t'aurais pu être du Burnout aussi. Mais bon, Burnout c'est une exception le jeu, je pense, on va dire. Mais honnêtement, c'est la première fois. C'est la première fois sur ces 10 derniers jours par là. Donc oui, tout simplement pour répondre à sa question, alors pourquoi il n'a pas entendu, on va dire, de commentaires sur ses vidéos sur Dirt 4, les dernières en date. C'est tout simplement, alors dépendant du temps que j'ai, je ne peux pas forcément toujours proposer des vidéos sur Xbox One en commentaires. Si c'est sur commentaires, c'est forcément des vidéos de plus de 10 minutes enregistrées sur Mixer. Alors sur Dirt 4 c'est une spécificité particulière, disons, c'est parce que quand j'ai voulu faire du Dirt 4,
Il y a tout simplement eu un problème avec les sonos du jeu et donc du coup ce qui fait que sur Dirt 4 voilà, je commande pas. J'entendais juste le son j'entendais juste le bruit des moteurs. La voix du public. Oh merde! Je me disais, ça passe la première fois, la deuxième c'est pas passé. Après, quand on fait des vidéos sur Android, c'est plus facile de faire du commentary parce que, évidemment, Android c'est vraiment sur tout et n'importe quoi. Quelle course palpitante! Après tant d'années en tant que commentateur, ces types ont encore réussi à me laisser sans voix! Et en parlant justement, on va dire de vidéos sur Android. Alors l'autre jour, je vous ai dit que alors j'avais un problème avec une clé USB suite à une vidéo sur Android que je pouvais malheureusement ni la lire, ni la récupérer, ni la publier, ni quoi que ce soit. Et ben en fait, c'est tout simplement, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a que sur mon PC que ça marche pas parce que l'envol a fait le test sur son PC à lui. Et bizarrement, l'une des fonctions que je pouvais pas faire, lui, il a réussi. Voilà, pas chercher pourquoi. Et donc, du coup, la vidéo, il a gardé sur lui. Voilà, il la mettra un autre moment. Ah bah ça y est, on a la Renault 5. Bah, au moins, voilà, une nouvelle voiture que je vous ferai tester pour l'épisode suivant. Voilà, affaire à suivre. La Renault 5. Par contre, maintenant, on va aller en Alaska. Bon, Alaska, il nous en reste qu'une. Ah tiens, petite dernière, celle-là je l'aime bien. Yes, c'est sympa. Alors j'étais en... passé en... extrême, ouais. Bon, j'ai envie de dire cross-country, Ah merde, je me suis fait le B là. Ouais, c'est le B. Bah honnêtement, le A, il y a pas. Non, attendez, c'est l'extrême D, je vais pas vous les faire, je vais vous faire le cross country et après, ce que je vais faire, c'est avec les extrêmes A, on va faire autre chose. Après. Oh, c'est beau ça. Est-ce qu'on a. Pluie, humide, dégagé, humide. On va mettre dégagé. Voilà. Faut pas changer nos habitudes. Hein. Je vais juste aller préparer mon petit poisson chaude. Alors donc ouais.
Ils n'ont pas beaucoup de temps, voilà, la journée à cause du taf pour faire des vidéos. Essentiellement, les vidéos que j'enregistre sur Xbox One, je vous les propose le soir. Et du coup, voilà, vous avez de nouvelles vidéos par-ci, par-là. Éviter de faire n'importe quoi. C'est bon. Nous voulions vous offrir un spectacle digne de ce nom et nous l'avons fait. Nous avons organisé une course époustouflante ici, dans les montagnes de l'Alaska. Fans de tout-terrain qui nous regardez, vous êtes sur Gravel Channel. Restez avec nous, vous ne le regretterez pas. Ah, petite coupure perso. Histoire de me ressourcer un petit peu. Ah, et puis j'ai d'ailleurs récupéré la vidéo et puis... Ah tiens, on voit enfin les voitures là. Roller, je crois. Ils ont balancé une mise à jour un peu plus de 6 gigas sur Gravel. Alors peut-être sans doute un patch pour corriger quelques bugs par-ci par-là. C'est bien possible.
dernière fois qu'il y a eu un bug, c'était à ce niveau-là. Là qu'il y a eu le dernier bug en bas. Ouais, c'est souvent, c'est même moi je me disais, bon au moins le dernier checkpoint chez vous il est hein. Hashtag je me fais un flashback, hashtag ça me semble logique. De la fumée et de la bagarre, de l'adrénaline, qui sait pourquoi vous aimez tant nos courses. Alors... On va s'en faire une petite dernière là. On va aller au Mont Blanc. J'ai très envie. Un kilomètre. Ouais, on va se faire un petit trophée Andros. Tiens d'ailleurs, prochain épisode, je vous testerai la polo. La Renault Turbo 5. Enfin la Renault. Ouais, ouais je dis Turbo 5, c'est pareil. Alors, cette voiture-ci. Si j'ai l'occasion, voilà, j'ai quand même un paquet de voitures à vous faire tester. Le prochain épisode. Je vais prendre la Lancia Delta S4. Je vois, il y a mes couleurs, tiens, mes couleurs préférées. Couleur fétiche. Ah, par contre, là, tu mets la neige. Là, je m'en fous, tu mets la neige. Et puis, tiens, pour que ça le fasse encore plus, on va le faire de nuit. Ah, là, je suis chaud, hein. Je suis chaud là pour vous faire ça. Je suis chaud les ballons. Chaud lapin. De toute façon là, c'est au Mont Blanc. Fans de tout terrain, bienvenue au Mont Blanc. Si vous appréciez la tranquillité des montagnes, préparez-vous à changer vos habitudes. On ne peut pas dire que nous nous la coulons douce ici et la prochaine course est là pour le démontrer. Accrochez-vous bien, l'avalanche Off-Road Masters est prête pour le départ. Ça
derrière. Voilà, faire toute la course comme ça. M'a foutu en tonneau là. Limite. Attention là. Là, pour ce qu'ils ont fait, ça va se payer. Oh merde. Ah putain. Là, j'ai pas vu qu'il y avait une bosse. Ah merde! Là j'ai merdé. Voilà, j'ai voulu buter la bosse et du coup, comme un con, j'ai tourné trop tôt. Encore ? Putain ! Un tour sur deux. Je vais manger tous les tours impairs et les tours pairs. Ah putain, et bien là je suis mangé une autre que j'ai pas pu éviter. La forte vitesse en plus. Ah putain, là, le temps était pourri hein. Oh putain bordel. Je sais pas manger tout à l'heure, donc là je crois que je vais me la manger là maintenant. Le boss en question. Ah non. Une nouvelle édition d'Off-Road Masters s'achève. Là, il y a eu de l'action. Mais ne désespérez pas, nous serons de retour ici sur Gravel Channel pour vous offrir les plus grands spectacles. Donc sur ce, j'espère que cet épisode sur Gravel vous aura plu, chers viewers, chers abonnés de la French Open YouTubers. D'ici là, donc, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et si t'allais pas le...
Tel n'est pas le cas, et ben je vous souhaite à vous tous quand même un très bon week-end et voilà, et pour ceux qui tomberont sur mes vidéos Android que j'espère j'aurai mis voilà, ben, du coup je vous souhaite pour ceux qui les regarderaient pas et qui regardaient ceci, je vous souhaite quand même une très bonne Pâques à vous tous, même si je l'ai dit un petit peu à l'avance, c'est normal, je suis en vacances dès ce week-end. Ah oui, moi je prends mes vacances hors vacances scolaires. Voilà, comme ça je m'emmerde pas. Sur ce, je vous dis à plus. Djané.